voyez cette vidéo, c'est que j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et vu qu'en ce moment, organiser des concours sur YouTube, c'est un peu galère et que j'ai pas tout suivi l'histoire, et que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé cette vidéo, je me suis dit, je vais leur faire, mais à ma façon. Pour moi, déjà, ce genre de vidéos, les room tours et les appartements de tours, c'est pas des vidéos que je regarde. J'ai dû regarder, allez, 4-5 room tours de toute mon année youtubeuse, enfin d'abonnés youtubeuses. Et les appartements de tours, je crois que j'en ai jamais vu. Donc je sais même pas comment les autres filles le filment. Mais moi, je me suis dit que ce qui vous intéressait dans mon appartement, c'était la déco qu'il y avait. Donc du coup, je vous ai fait plus des close-ups sur tout ce qui est déco. Tout ce qui est d'où viennent mes décos et tout ça, je vous mets le lien de mon blog et tout sera référencé sur mon blog. Je préfère vous mettre toutes ces informations sur le blog, c'est plus simple pour moi à gérer que la barre d'infos qui, quand vous écrivez, c'est tout petit, vous voyez pas la mise en page, enfin moi ça me saoule. Donc je préfère vous mettre ça sur le blog. Je vous ai pas filmé tout ce qui est dressing et coiffeuse, je vous les montre, mais je vous ferai des vidéos où je vous explique à peu près, où je vous expliquerai clairement mon organisation, parce que là je ne parle pas dans la vidéo. Et je parlais surtout avant de vous montrer cet appartement de tour pour vous remercier d'être 10 000. C'est vrai qu'on pense pas sur le coup quand on ouvre une chaîne à être 10 000, c'est vraiment énorme. Je crois que quand j'avais dit que j'avais 1000 abonnés, je disais que je remplissais le Zénith de Nancy. Là je sais même pas ce que je remplis, mais je veux même pas savoir. Mais ce qui est d'autant plus fou, c'est la vitesse à laquelle ça augmente, et c'est vraiment valorisant de se dire que voilà, les efforts payent, le fait que je travaille un peu plus mes vidéos, que j'essaie de faire quelque chose de mieux, même si c'est toujours pas ça, voilà, ça vous plaît. Et voilà, comme je vous dis, c'est vraiment valorisant d'ouvrir une chaîne, de tout faire soi-même, sans l'aide de personne ou quoi. Enfin, même si des fois je vais chercher de l'aide à droite à gauche. Mais voilà, ça vient vraiment de vous, et de voir que ça plaît, que c'est vous qui avez rassemblé 10 000 personnes. Et ben voilà, c'est vachement valorisant. Et même si bah, des fois il y a des bons côtés, hein, aujourd'hui on m'a dit que j'étais une cagole. Une cagole de Nancy, j'ai répondu. Donc voilà, même si des fois il y a des mauvais côtés, moi je garde vraiment que les bons et je continue cette aventure encore et encore et encore. Je sais pas quand j'arrêterai, mais pour le moment c'est que du bonheur, et j'adore me consacrer à YouTube, à mon blog, et voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre avis sur ce genre de vidéo que je pourrais peut-être voir par rapport au dressing et à la coiffeuse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.